Yo, la famille, c'est comment? J'espère que tout le monde va bien. C'est votre homme sévité, Erito. Oui, on parle encore d'Amina. Ah, sacré Amina. Amina, Amina, Amina. Franchement, regardez la vidéo et discutons en commentaire. Moi, je préfère ça comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que je ne comprends plus rien, là. Voilà, je ne comprends plus rien. Franchement, moi, je pense que c'est une bénédiction. C'est une grosse bénédiction qui est en train de se manifester dans la vie de ce jeune artiste Ariel Chiné. L'humilité précède toujours la gloire. C'est ce que beaucoup d'artistes doivent comprendre. L'humilité précède la gloire. Et puis j'ai envie de me prononcer rapidement, ouvrir une parenthèse après le jingle, sur le cas Didier Arafat et Trace TV. Parce que j'ai vu certaines choses en commentaire qui ne m'ont pas plu. Donc il faut que je vous brosse rapidement. Et puis je vous explique l'effet Amina. Voilà, donc c'est pour ça que je s'appelle les choses après le jingle. Il en fait pour nous, on le fera pour vous. Car dans la vie, mon présent c'est l'avenir. Qu'en sera-t-il de tous à la base? C'est progrès, progrès à la base. Je procède à des virements, des virements. Je l'ai dit. Je voudrais être vu, j'ai mon style. Des avis, est-ce que j'ai le talent dans ma vie? C'est la vie, c'est la vie, oh, c'est la vie. Jolie Amina, eh, jolie Amina, jolie Amina, eh, jolie Amina. On dit qu'à cause de toi là, je fais trop de dégâts. On dit qu'à cause de toi là, je fais trop la bagaille. Je suis un peu tourné, si c'est pas de ma faute, yeah. Colonel et Lobo, faut arrêter les chaînés. On ne met jamais le sable dans mon attiqué. Ce qui n'est pas pour ta photo, faut pas chercher. Jolie Amina, eh, jolie Amina. Bon retour les gars, c'est Erito, vous connaissez, hein. Partagez, partagez, partagez. Voilà, je tenais vraiment à remercier toutes ces personnes-là qui s'abonnent. Franchement, vous vous abonnez massivement. Infiniment merci les gars, merci beaucoup. Et merci aussi à toutes ces personnes-là et ces abonnés-là qui partagent nombreusement mes vidéos. Franchement, que Dieu vous bénisse. Merci tous les jours, merci tout le temps. Merci, 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 merci. Voilà, vous connaissez, hein. Donnez toujours de la force à Princesse Rima et Nojo et HT. Voilà, c'est des gars qui m'ont fait confiance. Et Dieu merci, vous êtes en train de leur donner de la force. Continuez à leur donner de la force. Allez vous abonner à leur chaîne, regardez leurs vidéos. Je vous ai dit, ils sont tellement contents de l'engouement que vous avez commencé à avoir pour leur clip vidéo dont le titre c'est La Vie, que ils sont en train de préparer un autre tube. Voilà, je vais vous dévoiler le nom dans pas trop longtemps. Donc continuez à leur donner la force, je compte vraiment sur vous. Merci encore. Le lien en description de vidéo. Cliquez sur le lien, regardez le clip, commentez et abonnez-vous. Voilà, c'est de la part d'Erito. Voilà, c'est de la part d'Erito. Faites ça à cause de moi. Voilà, pour ceux qui m'aiment vraiment, soutenez ces jeunes-là. Ce sont des jeunes ivoiriens. Que toute l'Afrique les soutienne. Merci encore. Et j'oubliais, pour ceux qui ne retrouvent pas le lien en description de la vidéo, tapez dans la barre de recherche Princesse Rima, c'est la vie featuring Nojo et HT. Point. Donc, on se prend maintenant pour la vidéo. Voilà, bien avant de parler des 6 millions, 100 000, pour ne pas dire 117 ou 120 000 maintenant, de vues en 27 jours, non pas en 27 jours, en moins de 27 jours, c'est-à-dire en 26 jours, réalisé par le clip Amina d'Ariel Chiné, ce clip phénoménal qui est en train de créer son histoire, qui est en train d'écrire son histoire en lettres d'or dans les annales du showbiz ivoirien. J'ouvre une brèche pour parler du cas Didier Arafat. Les amis, j'ai fait une vidéo ce matin que vous avez vraiment apprécié au regard des likes. Voilà, parce que vous avez partagé aussi beaucoup la vidéo. Continuez de la visionner, écoutez bien ce que je dis et partagez-la partout. Cependant, j'ai vu certains commentaires qui ne m'ont pas plu. Voilà, je reconnais avoir dit dans ma vidéo qu'il y a des personnes dans l'ombre, tapis dans l'ombre, qui sont en train de boycotter sérieusement Didier Arafat. Ça, je reconnais l'avoir dit. Mais je n'ai indexé personne. Je n'ai indexé personne. Vous vous rappelez ici, vous avez passé votre temps à injurier le moulard, à le traiter de tous les noms, à le traiter de sorcier. Parce que simplement, il est en train de donner de la chance ou bien de la force à des concurrents de votre artiste. Ça, je ne veux pas ça. Parce que quand vous faites ce genre de choses en commentaire, vous empirez la situation. Actuellement, le plus important est de trouver un terrain d'entente. Voilà. Arrêtez vos comportements à deux balles là. Vos commentaires qui ne tiennent pas la route. Arrêtez ça. N'envenimez pas les choses. Actuellement, Didier Arafat n'a pas besoin de ça. Voilà, c'est ça, c'est ça le plus gros problème de Didier Arafat. C'est qu'il a des fans qui sont bornés et qui sont vraiment pas trop intelligents. Voilà, ils sont toujours là à laisser de mauvais commentaires, à accuser n'importe qui, n'importe comment. Même si on est en train de boycotter l'artiste. Vous avez vu Mola en train partir. Ah, je sais même pas ce que je vais dire, je suis énervé. Arrêtez ça. Actuellement, il n'a pas besoin de ça. Quand vous le faites, vous empirez la situation. Voilà, vous empirez vraiment la situation. Arrêtez d'accuser n'importe qui, n'importe comment. Parce que vous ne savez pas qui est la base de ce boycott là. Vous ne savez pas. Non, sachez vous ménager.
gérez vos propos. Voilà, parce que vous êtes en train d'enfoncer votre artiste sans le savoir. Vous pensez que c'est comme ça qu'on est fan? Oh non, il n'a rien fait à Truss TV pour ne pas aller demander pardon. Donc vous pensez que c'est quand on demande pardon, c'est forcément quand on a raison. Hein? Mais c'est forcément quand on a tort. Arrêtez ça un peu. On parle d'humilité. L'orgueil là, on doit le mettre un peu de côté. Voilà. Si vous avez compris ça, je vais toujours vous dire ça. Ah! J'ai fait ma vidéo pour parler à Truss Africa et m'adresser aussi à l'artiste. Vous savez en même temps qui est derrière ça. Que le Mola, je ne sais qui encore. Arrêtez ça un peu. Le Mola, c'est pas votre camarade. Le Mola, c'est un businessman. Et puis, il est artiste coupé décalé. Voilà, il est libre de soutenir qui il veut. Il a trop soutenu votre DJ Arafat là. Parce qu'aujourd'hui, il est en train de vouloir aider d'autres gars. Vous allez le traiter de n'importe qui, de n'importe quoi. Arrêtez ça. Je tenais vraiment à souligner ça avant de commencer ma vidéo. Arrêtez ça là. On n'a pas besoin de ça. Donnez de bons conseils à votre artiste afin qu'il puisse trouver un terrain d'entente entre lui et Truss Africa. Voilà. On sait qu'il est boycotté. Par exemple, moi, j'arrive pas à comprendre. Je trouve ça inadmissible qu'une chaîne se lève comme ça pour ne plus diviser le truc, on va dire, les morceaux, mais les clips d'un artiste. Comme quoi, c'est pas du bon. Je suis désolé. Et je suis pas sûr qu'une chaîne si sérieuse peut avoir ces arguments-là pour ne pas passer les clips de DJ Arafat. Je suis désolé. Parce qu'on voit un peu sur Truss TV, c'est pas tous les super talentueux qui passent dessus. Voilà, souvent il y a les relations qui jouent aussi. Mais on les écoute. Voilà, on les écoute. DJ Arafat chantait pire que maintenant. Je pense qu'il est nettement amélioré. Donc on ne me dira pas que c'est parce que le gars il chante mal, mais son morceau vaut rien qu'on le passe pas. Non, il y a quelque chose d'autre. Et nous, on aimerait bien que vous nous éclaircissez. Voilà, c'est très important. Ça n'a rien à voir avec de l'HQ, mais ça n'a rien à voir d'être suceur. Il faut être objectif et puis faut être franc. Quand il y a la vérité, il faut dire. Quand les gars déconnent, il faut dire aussi. Et franchement, là, moi-même, j'ai réprimandé aussi DJ Arafat parce que je le dis toujours. C'est pas tout qu'on vient régler sur les réseaux sociaux. C'est pas tout. Franchement, voilà. On commence maintenant la vidéo sur Ariel Chiné. Voilà, parlons maintenant du clip Amina d'Ariel Chiné. Franchement, de vous à moi, comment vous jugez ce clip-là? Parce que franchement, j'arrive même pas à comprendre en fait. Moi, je pense que c'est Dieu qui a décidé de bénir ce jeune homme-là. Parce que franchement, c'est du jamais vu. Et vous savez pourquoi je suis en train de parler de ce clip-là? C'est parce qu'on a l'habitude de voir ça dans les pays de la sous-région, comme au Nigeria, en Afrique du Sud et à l'extérieur du pays, c'est-à-dire en France, aux États-Unis. Parce que faire plus de 6 millions en moins d'un mois dans un pays francophone, c'est quand même difficile. Voilà. On a vu des records de 1 million de vues en une semaine, 1 million 2 en une semaine, mais plus de 6 millions, franchement, c'est du jamais vu. Et ça a applaudi et a encouragé. Au lieu de jalouser, c'est mieux qu'il faut encourager en fait. Voilà. Parce que moi, je ne cesse de partager ce clip-là. On me dit que c'est un clip à buzz, d'accord. Mais hey, quand tu vas en boîte, c'est là que tu comprends que c'est pas un clip à buzz. Le morceau cartonne. On met les roues casse-casse, les gens ne se lèvent pas. On met tous les sons, les gens ne se lèvent pas. Mais quand on entend Amina, tout le monde est sur la piste de danse. Et tout le monde chante à l'unisson. Voilà, ça donc il faut reconnaître que c'est son moment quoi, c'est son moment. Et s'il maintient le cap comme j'ai dit, le trône a problème. Jusque là, le trône est toujours détenu par le Daesh DJ Arafat. Mais s'il continue dans ses directs, s'il continue ses propos déplacés publiquement, s'il reste là à vouloir toujours jouer l'orgueilleux, ah, le PD va lui foutre ça. Et il va lui foutre ça très bien. Voilà. Donc franchement, est-ce que au regard de la progression constante de ces clips-là, vous pouvez dire encore en commentaire, vous pouvez réaffirmer encore en commentaire que Ariel Chiné a acheté des vues, de vous à moi. De vous à moi. Est-ce que vous pouvez réaffirmer encore que ce petit a acheté des vues? C'est une chance. C'est une chance. Moi, ce qui me plaît, la meilleure personne qui a expliqué ça de manière très claire et bien précise, c'est Observateur Ben, un youtubeur très renommé en Afrique et même en Europe qu'on connaît. Voilà, il a une chaîne certifiée qui a reçu plus de 1500 likes sur son commentaire sous la vidéo d'Amina. Donc, il sait de quoi il parle et il a tellement bien expliqué. Voilà. Donnons de la force à ces jeunes-là et donnons-leur de bons conseils. Prenez pas qu'ils commencent à avoir la grosse tête pour piquer vers le bas. Actuellement, ils sont sur une ascension fulgurante. On n'a qu'à les encourager, on n'a qu'à les encourager. Au lieu de les jalouser, le petit n'a pas acheté des vues. Voilà, on appelle ça Dieu donné. Sinon, on le voyait ici, il faisait des sons qui n'arrivaient même pas à atteindre les 1 million de vues. Si Dieu lui fait la grâce d'établir ce record en si peu de temps, il faut juste être fier et content pour lui parce que mine de rien, c'est un artiste ivoirien. Vous voyez un peu dans les amis. Voilà, vous voyez un peu. Donc c'est ce que je tenais à dire, je tenais à vous dire, parce que beaucoup ne savent pas, c'est quand j'ai fait mes vidéos que les autres là commencent à faire des vidéos pour dire Ariel Chiné, tant de vues. Ariel Chiné a fait 6 100 000 vues en 26 jours. Parce que c'est ce minuit que ça va faire 27 jours. Voilà, oh, minuit n'est pas encore arrivé. Donc le petit réalise 6 120 000 vues en 27 jours, c'est-à-dire moins d'un mois. C'est extraordinaire, c'est vraiment vraiment extraordinaire et c'est à applaudir. Moi je suis très fier d'Ariel Chiné. Reste toujours humble et concentre-toi sur ton travail. Voilà, Dieu va faire le reste. Laisse les gens parler, tu as acheté vu, tu n'as pas acheté vu. C'est Dieu seul qui sait. Nous, on te soutient parce qu'on est fiers.
au moins un clip dans l'histoire de la Côte d'Ivoire a établi ce record-là. Et ça, ça a applaudi. Voilà. Donc, c'était Héritant, vous connaissez, ça chauffe pas. Partagez la vidéo et abonnez-vous massivement parce que vous vous abonnez vraiment. Voilà. Et une autre chose, j'espère que les fans bêtes là, voilà, parce que c'est pas tous les fans de DJ Arafat, parce que vous, quand ils parlent des fans bêtes de DJ Arafat, vous dites que c'est juste d'insulter tous les fans de DJ Arafat. Non, les fans bêtes là, je vais toujours vous insulter parce que vous n'êtes pas intelligent. Arrêtez de donner mauvais conseils à votre artiste. Voilà. Vous n'avez pas vu Moula quelque part en train de donner l'argent, mais en train de dire qu'il n'aura pas fermé. Non, 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 non. Vous l'avez dit plusieurs fois. Vous avez vu, il avait fait mouvement quoi, Moula. Vous avez eu honte. Voilà, arrêtez ça. Que Dieu vous bénisse. On partage la vidéo. Ciao, ciao.